Bonjour, bienvenue dans ce temps de l'Avent, jour 2. Ressources, avec un S. Pour voyager et cheminer dans ce temps de l'Avent, nous nous sommes mis en chemin. Et pour cheminer, c'est souvent intéressant d'emmener avec soi des provisions. Où vais-je trouver ces provisions qui vont me permettre de traverser ce chemin de l'Avent? Ces ressources, je les porte en moi et elles sont aussi à l'extérieur de moi, au-dedans et au-dehors. Aujourd'hui, je vous propose de fermer les yeux quelques instants, de prendre 3 respirations et d'aller chercher et trouver tout naturellement à l'intérieur de vous 3 de vos qualités, qui seront 3 de vos ressources. Allez-vous rencontrer la gentillesse, le courage, la joie, la ténacité? Allez regarder au-dedans et connectez-vous à 3 de vos ressources. Je vous invite à les noter. 3 de vos ressources au-dedans. Et souvenez-vous que s'il est important de pouvoir, ou en tout cas de s'autoriser à aller voir au-dedans nos ressources, je vous invite aussi à écouter les ressources qui sont à l'extérieur. Parce qu'à tout moment, la vie nous met à disposition des ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ose à nouveau faire le pas de faire confiance ? Que si je regarde, si j'écoute, si je sens, si j'entends, une ressource extérieure viendra aussi à moi. Sous quelle forme, je ne saurais vous dire, je ne suis pas à côté de vous, mais je suis avec vous. Alors écoutez, est-ce la qualité du vent, un animal, un rayon de soleil, une personne, un objet? La vie passe par tous les médias pour venir à vous et vous aider dans vos ressources pour continuer le chemin. Bonne journée et à demain. Je vous invite à prendre quelques instants encore pour observer les mille et une volutes de cette part de la toile de François, pour vous rappeler à tout moment que les ressources sont infinies.